Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et donc on se retrouve pour parler du jour des armes. Donc c'est arrivé hier dans la matinée déjà on avait le message, hein, l'info, et puis vers 19h est arrivée la chose au complet, donc avec les armes auprès de l'armurier. Et donc tout simplement le jour des armes c'est quoi? Donc vous avez eu petit message normalement si vous êtes connecté, et donc vous allez donc vers l'armurier et il va vous donner des prototypes, donc ça ne coûte rien, hein. Des prototypes que vous allez tester en fait, que vous allez devoir tester, donc il y a plusieurs conditions. Donc pour chaque arme, c'est une condition différente, donc il faut que vous alliez regarder en fait dans le détail de l'arme. Certaines vont devoir être utilisées en épreuve, pour les certaines vous allez devoir faire des frags de précision, enchaîner des frags multiples. Voilà, vous avez à chaque fois une condition, donc regardez ça en détail. Donc c'est pas dans l'inspection, c'est simplement en passant sur l'arme, vous avez un petit texte à lire. Et donc c'est pas très long, hein, de monter une arme. Et ça va vous rapporter en fait de la réputation auprès de l'armurier. Et cette réputation va vous permettre, en fait le mercredi va devenir le jour des armes. Et donc ça vous permet tout simplement le mercredi de récupérer une arme légendaire qui sera à choisir parmi plusieurs. Il l'avait montré dans un des streams d'avant Tekken King, et donc là ça arrive cette semaine, vous allez déjà pouvoir monter de niveau de réputation de un rang, hein. J'ai calculé normalement si c'est le même quota pour chaque, puisque la première arme que j'ai complétée m'a rapporté 312 de réputation auprès de l'armurier, il faut 1500, il vous donne 5 prototypes, donc normalement il n'y a pas de souci pour passer rang 1. Donc normalement mercredi prochain on devrait pouvoir avoir des nouvelles de cette réputation auprès de l'armurier et avoir une bonne nouvelle, une petite arme nouvelle de Tekken King directement dès le mercredi qui suit la sortie. Donc c'est plutôt cool. Et du coup là normalement vous avez eu du gameplay à l'écran et là donc je vais vous mettre la rediffusion du moment où on a découvert donc ça avec Sei en live avec vous hier soir, parce que je trouve que c'est toujours plus sympathique forcément d'avoir un petit peu les réactions directement. Et donc je vous remets cette rediffusion. Bien sûr, j'avais pas encore les détails, je connaissais rien de ce qui se passait, hein. Je préfère vraiment découvrir avec vous si possible. Il y a des fois, je suis obligée de me spoiler. Mais là, c'était en direct, donc je vous rediffuse ça. Et puis, on se retrouve très vite pour plein d'autres choses comme d'habitude. C'est parti. Donc, ça passe, crème. Donc, en fait, c'est arrivé à la tour. Hein. C'est... De quoi? Les armes. C'est arrivé à la tour, ça y est. Ah, ça y est, les prototypes. Alors. Prototype Homolon FR1. On va les regarder tous les gens. On va les regarder tous. Je vais aller voir ça. Oh, il y a la marque de l'arme en bas à droite. Et ça y est, on peut avoir un nouveau spectre. Il était temps. Enfin, nous avons la réponse à pourquoi il y a 9 cases. C'est ça. c'est ça que je vais te demander. Du coup, ton spectre que tu as eu avec ton édition collector, il donne quelque chose? Il donne que 3 de défense, c'est l'arnaque. Sérieusement? Ouais. Ah ouais, vas-y, et ça c'est trop de l'arnaque, genre j'ai ça, regardé, je tu vois, comprends pas mais... en fait, parce que enfin c'est quand même un truc que t'as eu en collector. Bah ouais, c'est un truc collector, et puis c'est un truc légendaire, surtout, enfin je sais pas. Oh, Et ça c'est trop beau. Tu sais, je c'est veux comme les ça. caps. Genre il y a des caps, genre t'as trop galéré à les avoir, tu regardes, trop de défense. Ah ok, c'est ça. Ah d'accord. Salut Claude, bah c'est ce que Ah, disait super. un des viewers hier. Ce qui est dommage entre guillemets, c'est que du coup il faudrait qu'il y ait transmogriffe machin là, parce que Oh, de ouf. on va plus choisir nos caps et tout selon le visuel, on va les choisir uniquement parce que ça fait 170 ou je sais pas combien quoi. Je Je trouve ça un peu vois. dommage, donc tous ceux qui prennent enfin on va tous être avec les caps exo et puis voilà, enfin je dis cap hein, pour Ouais, toi mais... carrément. Eh, les Bon moi je veux prototypes, cette arme là. ils sont trop frais. Ils sont trop frais, les prototypes. Suros TSR 10. Regarde le dernier. Oh, son père. Acquérir. Attends, attends. Je suis pas encore au dernier. Ça y est, j'acquiers. Fusil de précision. Ah, je Ah, peux en mais trop acquérir un stylé. autre. Tu peux tous les acquérir. Non, non, c'est un de chaque type, je crois. Non? Bah non, non, tu peux... Oh, le sniper, qu'on Ah, est c'est trop peut-être frais, j'ai je le pas de prends. place. Vas-y, attends, je vais faire de la Je le place. prends cash. Ouais, c'est parce que t'as pas de place. Moi aussi, moi, y a tout qui est grisé. Je peux rien prendre. Mais du coup, on a 72 places maintenant dans le coffre. Ouais. Ah, Il ça valait le était coup que tu temps. partes. Est-ce que tu peux repartir un petit peu quelques mois? Hein? Non? Repars un peu. Je pense D'accord, qu'on va ok. passer à 5 pages de coffre. Bon bah salut les gens. Je suis content d'être passé, c'était Est-ce sympa. que t'as vu que le fusil de la connu est en légendaire maintenant? Il passait automatiquement en Hein? légendaire. Ah non mais je l'ai plus. Enfin je l'ai Ah sur un bah. autre perso mais j'ai pas fait attention. Nul. Il est passé en légendaire? Putain, Ouais, stylé. ouais, ouais. Sway. Je fais de la place. Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai de la place, attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi je peux pas les prendre? On nous aurait menti? Ah tiens, j'ai reçu mes armes de... Ah non, je l'avais déjà. Non, rien, j'ai Ah non, menti. ça y est. Excuse-moi. Alors, le fusil à fusion.
ça dégage. Plus impulsion, ça dégage. Le roquette, on prend. Et on prend le sniper. Ah, c'est Y ouais, pour changer d'arme à la tour. Appuie sur Y quand t'es comme ça, tranquille. Oh. Ah, mais moi, y a que le temps. Attends. Oh, vas-y, ça affiche pas le gala, c'est nul. Si tu maintiens Y, maintiens, ça affiche l'arme lourde. Oh, son père, j'aime beaucoup. Oh, son père, j'aime beaucoup. Eh, hey, t'as vu le... Enfin, je suppose que oui, hein, mais moi, je l'avais pas vu. Le vaisseau, quand tu tues Oryx en héroïque. Oui, 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 il est stylé, hein. Il est trop beau, je le veux. Je l'ai vu, j'ai fait. Je trouve qu'il fait, il fait Mass Effect. Ouais, de ouf. Stylé. Enfin, Mass Effect, les méchants, bien sûr. Ah, oui, voilà, c'était ça que je voulais aller voir. Salut. Parce que t'as dit que ça avait changé aussi à l'avant-garde. Il est où? À côté de Eva Levante. Salut, Diablounet. Et Valente, celle qui te donne les... Le revêtement, les emblèmes, ouais. Donc sérieux, attends, voilà. Vu, armurier estime tester les prototypes des fonderies pour pouvoir passer plus de commandes d'armes. Donc, on va jouer avec les armes du truc, du coup. YOLO. Il est où? Non, c'est faux, il y est pas. En plus, c'est impulsion. Si, à côté mensonge. D'elle, il y a un robot. Mensonge. Mensonge. Fellwinter. Non, il n'y a pas de robot. Données collectées 0%, ok.